Alors bonjour, je m'appelle Baptiste Cotten. Pour mon projet de diplôme, j'ai travaillé sur le thème de l'économie circulaire et comme sujet la revalorisation des déchets issus de l'industrie agroalimentaire du saumon. Donc pour ce faire, je travaille avec deux entreprises françaises. Donc une première qui revalorise les pots de saumon en un cuir imputrescible et la deuxième entreprise qui, elle, revalorise, donc elles sont toutes dans France, hein, la deuxième entreprise qui, elle, revalorise les écailles en une matière solide. Donc moi, je me suis missé un peu dans leur processus de production durant ce projet pour essayer de développer leur matière et les ouvrir à d'autres marchés dans un objectif qu'ils puissent en tout cas vendre plus de matière, mieux revaloriser et s'ouvrir à d'autres marchés. Voilà. Donc pour la première entreprise, la peau de saumon, celle qui revalorise la peau de saumon, mon objectif, c'était de créer des grandes surfaces de peau pour qu'ils puissent aborder le marché du mobilier, par exemple. Et donc, j'ai fait tout un travail de design voilà, différentes typologies de broderies pour créer là du mètre carré. Et voilà, la deuxième entreprise, pour développer leur matière, donc bon, j'ai travaillé sur leur premier processus qui est la mise en forme sous plaque, et je me suis rendu compte que ça se collait à l'eau, que c'était 100% naturel, et par conséquent, j'ai développé tout un catalogue d'assemblage basé sur ce principe de collage à l'eau. Donc voilà, très simple. Et mon objectif final, c'était en tout cas de lier ces deux entreprises entre elles, qu'elles aient un intérêt au niveau des flux.